Depuis 1980 jusqu'à aujourd'hui, le coût de la vie a augmenté pendant que les salaires sont restés dramatiquement stables. C'est ça qui est la réalité de notre pays. Et ce n'est donc pas une récupération politicienne pour dire le coût de la vie est élevé, le coût de la vie est élevé, comme une rengaine. C'est pas ça qui va nous sortir de là. Comment on peut être de mauvaise foi quand on fait la politique? Parce que de toutes les façons, celui dont vous parlez, là, lui, il ne dort pas. Donc si vous mentez, lui, il va sortir les documents. Des pauvres femmes qui sont sorties pour dire qu'elles ont faim, avec une fourchette et une assiette, on a tiré sur eux. Il y a eu des morts en Côte d'Ivoire, mais personne, le pouvoir a interdit, on n'a pas fait passer ça à la télévision ivoirienne. Je regrette vraiment qu'il y ait eu un mort. Je regrette vraiment qu'il y ait eu un mort. Ce n'est donc pas une récupération politicienne pour dire le coût de la vie est élevé, le coût de la vie est élevé, comme une rengaine. C'est pas ça qui va nous sortir de là. Cette cherté de la vie, ce n'est pas la faute du gouvernement des Soro, ni la faute du président de la République. Ce n'est donc pas une récupération politicienne pour dire le coût de la vie est élevé, le coût de la vie est élevé, comme une rengaine. C'est pas ça qui va nous sortir de là.